Frères et sœurs, pour ce premier culte de l'année 2023, alors j'avais d'abord pensé à faire une sorte justement de best-of, de compilation des bonnes résolutions à prendre en début d'année pour un chrétien. Après tout, les challenges sont vraiment nombreux, hein, autant personnels que collectifs d'ailleurs. Pour son édification personnelle, on peut prendre l'excellente résolution, vu que c'est la période des bonnes résolutions, de lire la Bible quotidiennement. Ou on peut encore réfléchir à la meilleure façon possible en 2023 d'optimiser son temps à la gloire de Dieu. D'un point de vue collectif, on peut réfléchir et prendre les meilleures résolutions possibles pour faire vivre concrètement l'Évangile dans nos vies. Par exemple, au service des plus faibles, voir ce qu'on peut apporter à la communauté, etc. Alors, plutôt que de bâcler tous ces thèmes en une seule prédication fourre-tout, et qui aurait peut-être duré 2 heures, j'ai trouvé plus judicieux de nous attacher à méditer sur une seule résolution. Cette résolution est très simple, c'est la résolution d'être libre. Alors, j'ai conscience que balancer comme ça, ça sonne un peu en coaching en développement personnel qu'on peut trouver sur Internet. Vous savez, une vidéo YouTube qui aurait pour titre « T'étais esclave en 2022, deviens libre en 2023 grâce à ma méthode ». Comme on va le voir, la liberté est un mot très facilement prononcé, mais dont le sens réel peut aisément nous échapper. Après tout, chaque génération à travers le monde a eu sa propre conception de la liberté. Bien avant Jésus-Christ, pour le philosophe Aristote, l'homme devenait libre en pratiquant les vertus cardinales, la prudence, la force, la tempérance, la justice. C'est l'exact opposé des conceptions de la génération d'après-guerre, qui en 1968 disait « sous les pavés la plage, il est interdit d'interdire, etc. » Alors, les dictons populaires se sont aussi mêlés au débat. Qui ne connaît pas la célèbre phrase « ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. » Face à tout ça, nous aurions pu être en fait complètement paumés. Après tout, que faire entre la conception d'Aristote, qui semble penser que l'homme devient libre en pratiquant des vertus, et l'option 68arde, qui prône l'anarchie complète. Fort heureusement, la liberté est un sujet sur lequel la Bible n'est pas muette. Comme on va le voir, le sujet est trop vaste pour être abordé en un seul message. Cependant, nous allons méditer ce matin la lettre de Paul aux Colossiens, qui aborde le sujet sous un angle vraiment édifiant pour l'Église. Paul a écrit la lettre aux Colossiens pendant qu'il était en captivité à Rome. La communauté de Colosse fait partie de ces églises issues du grand rayonnement du ministère de l'apôtre dans la région d'Éphèse, à savoir l'actuelle Turquie. Le ministère de l'apôtre Paul dans la région d'Éphèse a été particulièrement riche et a permis de propager l'évangile auprès de personnes de profils vraiment très différents. Les actes des apôtres témoignent de ce rayonnement. On peut lire en acte 19, verset 10, « Cela, le ministère, dura 2 ans, si bien que tous les habitants de la province d'Asie, tant juifs que grecs, entendirent la parole du Seigneur. » La communauté de Colosse a probablement été fondée entre l'an 53 et l'an 56, à savoir c'est le temps que Paul est resté grosso modo dans la région d'Éphèse. La lettre aux Colossiens est datée donc de la captivité de Paul, grosso modo l'an 60 ou 62, donc elle s'adresse à une communauté en fait qui est toute jeune et qui a moins de 10 ans. Alors bien que jeune, la communauté est déjà en proie à des dérives doctrinales. Certains Colossiens semblent penser qu'il est bon de rendre un culte aux anges. D'autres sont attirés par toutes sortes de philosophies qui remettent en cause le statut de fils de Dieu de Jésus-Christ. C'est entre autres pour répondre à ce type de dérive que l'apôtre Paul rédige sa lettre à l'attention de l'église de Colosse. Et nous lisons donc dans la lettre aux Colossiens du chapitre 2, verset 20 au chapitre 3, verset 4. Vous êtes morts avec le Christ et vous avez été délivrés des forces qui gouvernent le monde. Alors pourquoi vivez-vous comme si vous dépendiez de ce monde en acceptant qu'on vous impose des règles de ce genre « ne prends pas ceci, ne goûte pas cela, n'y touche pas ». Ces règles concernent des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit là de prescriptions et d'enseignements purement humains. Certes,
Ces règles ont une apparence de sagesse, car elles parlent de religion individuelle, d'humilité et d'obligation de traiter durement son corps. Mais elles n'ont aucune valeur et elles ne servent qu'à contenter les désirs humains. Puisque vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ, recherchez alors les choses qui sont au ciel, là où le Christ siège à la droite de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Votre véritable vie, c'est le Christ. Quand il paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui en participant à sa gloire. Jusqu'ici la parole de Dieu. Frères et sœurs, à partir de ce texte très, très riche de l'apôtre Paul, on va examiner trois points. Tout d'abord, on va voir que, paradoxalement, c'est un vrai paradoxe, la dépendance peut apporter une illusion de liberté. Deuxièmement, on va s'attaquer, alors je ne sais pas si je peux mettre en copyright ou quelque chose, à ce que j'appelle le syndrome IKEA. À savoir, pourquoi pense-t-on qu'un plan ou qu'une méthode claire va à coup sûr nous sauver ? Troisièmement, on va voir que la seule façon d'être libre est de nous remettre aux choses célestes et au Christ ressuscité. Comme nous l'avons vu dans l'introduction, l'église de Colosse est une communauté très jeune, qui a moins de 10 ans, qui est en proie à des dérives doctrinales et à des philosophies qui remettent en cause la liberté en Christ. Dans la section de texte qui nous intéresse, l'apôtre commence vraiment par affirmer la liberté dont sont censés jouir les Colossiens. On peut relire le verset 20. Vous êtes morts avec le Christ et vous avez été délivrés des forces qui gouvernent le monde. Le souci n'est donc pas une œuvre incomplète de Christ pour les Colossiens, mais bien une attitude face à d'anciens rites qui maintiennent esclaves les gens de Colosse. Alors, l'apôtre ne détaille pas vraiment quels sont ces fameux rites auxquels les Colossiens sont abusivement attachés. Ce qui est pointé surtout, c'est l'esprit nocif de ces pratiques. Dans le Nouveau Testament commenté, le théologien suisse Andreas Detwiller commente ce passage et écrit ceci, ouvrez ses guillemets. Paul vise à immuniser la communauté de Colosse contre un courant adverse. Il s'occupe moins de dénoncer de manière argumentative la non-pertinence des pratiques adverses que de dénoncer l'esprit de jugement lié à ces pratiques. Fin de citation. Les pratiques visées par Paul sont donc d'ordre restrictif avec un esprit de jugement. C'est ce qu'on voit au verset 21, hein, « Ne prends pas ceci, ne goûte pas cela ». Je dirais que pour certains, ça peut rappeler la chanson de Jacques Dutronc, « Fais pas ci, fais pas ça ». En gros, les Colossiens se soumettent à des règles rigoristes, légalistes, mais qui ne rapprochent pas de Dieu. On peut être tenté de juger un peu vite les Colossiens en se disant, après tout, que c'était juste une bande d'arriérés qui s'est fait avoir en se faisant imposer des règles qui ont ni queue ni tête comme ça. Je pense pourtant qu'il y a aussi une leçon à prendre pour nous, aujourd'hui, donc en 2023. Alors, je ne sais pas qui a dit ça un jour, la citation est attribuée à plusieurs personnes, mais la plus efficace des prisons est celle dont on ne voit pas les barreaux. C'est triste à dire, mais parfois, une entrave à la liberté est tout simplement de confondre liberté et confort. En gros, quitte à se voir imposer certaines règles un peu contraignantes, tant qu'on me fiche la paix, tout va bien. On verra plus tard, évidemment, ce qu'est la véritable liberté. Mais avec ce début de texte, on voit déjà quel est un obstacle à la liberté, la confusion entre la liberté et le confort. Alors, c'est une situation qu'ont rencontré plusieurs d'entre nous, je pense, en ayant une promotion et en prenant un poste avec plus de responsabilités, peut-être dans une entreprise ou une association. Avant ça, avant de prendre des responsabilités, il y avait des règles contraignantes. En tant que subalterne, on subissait plein de « fais pas ci, fais pas ça », justement. Mais au moins, on avait un cadre, on savait quoi faire. Quand on a la promotion et que c'est à nous de donner des directives sans cadre préétabli, on se retrouve presque nu et en situation d'inconfort. Pourtant, on est un peu plus libre qu'avant de nos décisions, mais il faut assumer les éventuelles conséquences d'un ratage. C'est donc un paradoxe, mais la dépendance à des règles apporte un confort et donc une apparence de liberté.
Bien entendu, l'exemple de la situation professionnelle n'est qu'une illustration. Une carrière peut être pleinement épanouie à n'importe quel niveau de hiérarchie. Cependant, quand il s'agit des règles imposées pour vivre, il s'agit bel et bien d'une illusion de liberté créée par une situation de dépendance. Un exemple peut être une personne qui reste très tard chez des parents pour de mauvaises raisons. Alors attention, il y a d'excellentes raisons de rester tard chez ses parents. Ça peut être pour les études, des situations personnelles particulières. Il n'y a aucun souci. En revanche, il existe bien des mauvaises raisons de rester tard chez ses parents. Ces mauvaises raisons sont, dans certaines familles, une mainmise parentale, parfois, sur l'enfant qui est devenu jeune adulte. Le jeune adulte peut avoir un sentiment de liberté lié au confort de ne pas avoir à payer les factures, ne pas se soucier de provisionner le futur ravalement de façade qui arrive à grands pas, ou ce genre de choses. En revanche, il ne s'agit que d'une illusion. Dans les faits, le jeune adulte est en situation de dépendance vis-à-vis de ses parents. Comme nous venons de le voir, un premier danger pour la liberté est donc de confondre confort et liberté, et de se satisfaire de situations de dépendance nocives. Dans la pratique, cette dépendance peut être entretenue par le goût que nous pouvons avoir pour le besoin d'une méthode, d'un plan, d'un truc identifiable à réaliser pour sentir qu'on fait vraiment quelque chose. Ce type de règle est un peu dénoncé par Paul, on peut relire le verset 23 du texte d'aujourd'hui. Certes, ces règles ont une apparence de sagesse, car elles parlent de religion individuelle, d'humilité et d'obligation de traiter durement son corps, mais elles n'ont aucune valeur et elles ne servent qu'à contenter les désirs humains. En clair, les Colossiens font passer tout un paquet de rites à accomplir avant même de se tourner vers Christ. Ce travers de placer le rituel avant ce qu'on est censé adorer a déjà été dénoncé du temps des prophètes. On peut lire ce que Ésaïe écrivait aux Israélites de son temps, plusieurs siècles avant Jésus-Christ. On lit ça en Ésaïe chapitre 29 au verset 13. « Ce peuple, donc les Israélites, se tourne vers moi, mais ce n'est qu'en parole. Et il me rend hommage, mais c'est du bout des lèvres. Car au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Et la vénération qu'il me témoigne n'est faite que de règles que les hommes lui ont enseignées. » C'est ici qu'on peut parler, chez certaines personnes, du syndrome IKEA. Alors, vous connaissez tous, je pense, cette célèbre marque de meubles. Beaucoup se sont déjà bousillé les doigts et le dos pour monter des tables ou des armoires avec des noms scandinaves. Quand on achète un meuble en kit, on est en général dépendant de la notice de montage. Parce que, bon, à titre personnel, oui, j'ai quelquefois essayé de m'affranchir de cette notice. Et vous savez, je m'étonnais à la fin du montage d'avoir des pièces en trop. Tiens, ce truc, au fait, ça servait à quoi? Voilà. En clair, j'avais raté le montage du meuble pour ne pas avoir suivi le plan. Donc, oui, un plan est bien utile, quelquefois. Étant même, moi-même, de formation initiale scientifique, oui, je considère que suivre une méthode, on peut même dire parfois un protocole, est censé dans de nombreuses situations. En revanche, quand on parle d'adorer Dieu, existe-t-il un manuel digne d'un plan de montage IKEA? En fait, je ne crois pas. La méthode peut être utile, en revanche, il ne faut pas idolâtrer cette méthode et en faire un absolu. C'est ce que semble reprocher l'apôtre Paul aux Colossiens, on peut relire le verset 22. Ces règles concernant des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit là de prescriptions et d'enseignements purement humains. Donc l'apôtre ne reproche pas à la communauté de Colosse d'employer des prescriptions et des méthodes. Il leur reproche d'en faire un absolu, en clair, d'idolâtrer la méthode plutôt que Dieu. S'attacher à outrance à une méthode est en fait un moyen, quelque part, de se rassurer face à quelque chose qui peut nous dépasser. Pour partir d'un exemple bénin, on peut voir les vidéos les plus populaires sur YouTube. En général, c'est des vidéos très rassurantes qui ont pour titre, par exemple, « 5 choses à faire absolument pour avoir tel résultat » ou encore « Top 10 des meilleures méthodes pour déclencher tel ou tel truc dans votre vie ». C'est un peu le syndrome IKEA, en fait, qui consiste, par confort, à vouloir tout ramener à une chose aussi concrète qu'un meuble pour se monter simplement suivant un plan. C'est vrai que c'est rassurant de se dire qu'on doit suivre une notice de montage, simplement, Dieu n'est pas un meuble IKEA. Comme on vient de le voir,
s'enfermer dans une méthode en faisant un absolu est encore une fausse piste dans la quête de liberté. Du coup, la question peut surgir. La quête de liberté est-elle légitime pour nous ? En clair, est-il juste d'aspirer dans nos vies à plus de liberté ? En fait, je pense que la question est mal formulée ainsi. Comme on l'a vu dans l'introduction, à travers les époques, la notion de liberté a été très, très fluctuante. Du coup, difficile de trouver une réponse satisfaisante à une quête de liberté. Sans doute trouvera-t-on une réponse valable pour une génération donnée. Et encore, c'est beaucoup dire, les modes passent très vite. En fait, le monde, quand il cherche la liberté, fait de cette liberté la cause de toute chose, un absolu. L'apôtre Paul montre que ce type de raisonnement est en fait une inversion entre la cause et la conséquence. Je m'explique. La liberté n'est pas la cause de notre quête. Elle est la conséquence de notre qualité d'enfant de Dieu et de notre recherche constante de la face du Seigneur. On peut relire le verset 1 du chapitre 3 du texte d'aujourd'hui. Puisque vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ, recherchez alors les choses qui sont au ciel, là où le Christ siège à la droite de Dieu. Il y a donc bel et bien une liberté en Christ, et je sais qu'on en est tous convaincus. Cependant, cette liberté est la conséquence de l'œuvre de Christ accomplie pour nous, lui qui nous a fait passer de la mort à la vie. Cette lettre aux Colossiens a beaucoup été commentée, et ce, très très tôt dans l'histoire de l'Église. Dans l'Antiquité, le symbole de l'attachement aux choses du monde était la volonté d'avoir toujours plus d'or. Alors, en fait, ça n'a pas vraiment changé de nos jours, sauf que le métal précieux a été remplacé dans les échanges courants par les euros ou peut-être les bitcoins pour les plus modernes d'entre nous. Les manuscrits gardent trace d'une prédication de Jean Chrysostome sur la lettre aux Colossiens. Jean Chrysostome était un père de l'Église qui a vécu au IVe siècle. Il dit ceci à propos de la recherche des choses terrestres quand il commente l'épître aux Colossiens. La richesse ne nous apporte qu'ignominie puisqu'elle est honorée plutôt que son possesseur et puisqu'elle est un signe de faiblesse plutôt que de puissance. N'est-il pas bizarre que, tout en nous regardant comme indignes de posséder cet amas de terre et de cendres qu'on appelle de l'or, on nous honore parce que nous le possédons. Ces choses, en fait, n'ont pas vraiment changé depuis le temps de l'Antiquité. Rien de nouveau sous le soleil, aurait pu dire l'Ecclésiaste. Certes, la façon de s'exprimer n'est plus tout à fait la même que du temps de Jean Chrysostome. Cependant, l'attachement aux choses de ce monde perdure. Encore une fois, il n'y a pas dans les propos de l'apôtre Paul une criminalisation, en 1er janvier, c'est dur à dire, une criminalisation des biens terrestres, en particulier de l'argent. Pour s'en convaincre, il suffit de lire certaines fins de lettres de Paul, où il fait des appels aux dons. Par exemple, à la fin de la lettre aux Romains, il demande explicitement à la communauté de l'aider à financer un voyage missionnaire. L'argent est un moyen et non une fin. De même, que n'importe quel bien terrestre. En aucun cas, un amas de richesses ne rend libre au sens biblique du terme. Les récits de déchéance de vedettes, ayant pourtant matériellement tout ce qu'on peut désirer, sont là pour nous en convaincre. De même que, comme on l'a vu dans la première partie, la dépendance apporte une illusion de liberté, il en est de même pour l'abondance matérielle. L'apôtre Paul rappelle aux Colossiens, à la fin du passage, où se situe la vraie espérance. On peut relire le verset 4. « Votre véritable vie, c'est le Christ. Quand il paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui en participant à sa gloire. » Alors, d'autres écrits du Nouveau Testament rappellent cette vérité. On peut par exemple lire ce qu'écrit Jean dans sa première épître, au chapitre 3 et au verset 2. « Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. » Quelle promesse ! J'ai donc pas, frères et sœurs, le top 10 des trucs à faire absolument pour être libre en Christ, ou encore le best-of des meilleures façons de prier pour être libre. En fait, nous avons bien mieux que ça. Un sauveur, Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie,
qui a donné son sang pour nous. Nous avons un Seigneur qui nous a rendus libres face au péché et nous en a délivrés par le triomphe qu'il a accompli à la croix. La lettre aux Colossiens est courte, 4 chapitres. Je vous invite à vous replonger dedans pour approfondir ce que nous venons de voir aujourd'hui. La lettre est courte, mais vraiment très dense, et c'est véritablement une pépite qu'on trouve dans nos Bibles. Je vous propose de conclure ce message en lisant ce que Paul écrivait à une autre communauté, celle des Galates. On lit en Galates, chapitre 2, verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. » Amen.